Le poids des mots. Le poids des mots est tel que, quelquefois, les paroles que l'on peut prononcer nous enchaînent, nous entraînent vers des chemins que l'on n'aurait pas voulu prendre. On en voit l'application la plus aboutie dans l'histoire de Korah que nous allons lire cette semaine. On voit que lorsque Korah et son groupe viennent et réclament des fonctions religieuses plus supérieures, la réponse de Moshe Rabbeinu de Moïse est « Rav lachem ben Lévi ». Vous en avez suffisamment, vous, les enfants de Lévi. Qu'est-ce que vous voulez de plus? Ou « Bikashtem gankuna », vous voulez en plus être Kohen. Ça suffit, ce que vous avez. La Gemara, le Talmud dans le traité Sota, nous enseigne, au nom de Rabbi Lévi, « Berav biser, berav bisrou ». Parce qu'il a dit « ça suffit » à Korah et à sa bande, à lui aussi, on lui a dit « ça suffit ». Il a dit « ça suffit » quand il leur a dit « ça suffit, vous, les enfants de Lévi, vous en avez eu assez ». Et Dieu lui répondra dans le livre de Devarim, dans le Deutéronome, « Ravlach al tosef daber elai od badavarazé ». Ça suffit pour toi, arrête de me parler de cette chose-là, tu ne rentreras pas en Eretz Israël, en terre d'Israël. Alors on peut se poser la question, mais quel est le rapport entre la parole de Moshe Rabbeinu et cette punition dont il est affligé? Qu'est-ce qu'il a dit de mal? La Gemara dans Makot rapporte que, à propos du verset tiré de l'Ecclésiaste, Oef Kesef Loïsba Kasef, celui qui aime l'argent ne sera jamais rassasié d'argent. Alors on pourrait le prendre évidemment dans le sens naturel, que ça fait référence à l'appât du gain. Mais en l'occurrence ici, la Gemara dans Makot nous dit que ce verset s'applique à Moshe Rabbeinu, à Moïse, qui aimait tellement les mitzvot, les commandements divins, que toutes les occasions étaient bonnes pour pouvoir accomplir d'autres mitzvot, d'autres commandements. Et c'est la raison pour laquelle il désirait profondément rentrer sur la terre d'Israël, qui savait qu'il y avait des mitzvot à Teluyot Ba'aretz, des commandements qui étaient intrinsèquement liés à la terre d'Israël. Et donc, c'est la raison pour laquelle il avait formulé cette demande. Alors quand Korah vient, lui aussi, même si on sait que ce n'est pas vrai, lui c'était pour des raisons d'ego, mais il vient et il dit « Mais moi aussi je désire accomplir des mitzvot en nombre important. Pourquoi m'empêcherait-on d'accomplir les mitzvot qui sont dévolus au Kohen ?» La réponse de Moïse n'aurait pas dû être « Ça suffit ce que tu as déjà. » « Ça suffit ce que tu as déjà, Rav Lachem ben Lévi » n'était pas la réponse adaptée. Parce qu'en disant cela, c'était comme s'il disait aux yeux de toute la communauté d'Israël, parce que c'est aussi la manière dont c'est perçu, « Les mitzvot que tu as te suffisent, contente-toi de ce que tu as. » Non ! Si on a un désir réel et sincère d'élévation spirituelle, on ne peut pas contrarier cette élévation, ce désir d'élévation. Il fallait trouver une autre manière de lui répondre. En aucun cas, pas sur ce point-là. Et c'est parce que, justement, il avait fauté et péché sur ce point que la réponse interviendra des années plus tard par le biais du Créateur qui lui dira « Ravlach, altosef daberela ibadavarazé, arrête de me parler de ces choses-là. Toi, Moïse, tu ne rentreras pas sur la terre d'Israël pour nous apprendre le poids des mots et la valeur de nos paroles. » Shabbat shalom.